Vas a escoger aquí, validar, y lo que quieren es lo primero, el ticket este. Validar. ¿Está? ¿Cuántos quieren? Yo. Un ECAT. Pues somos cuatro. Pero para mañana en la mañana para ir a Uruf, ¿lo vamos a agarrar o no? Sí, yo creo que sí. Ok, podemos comprar todo de una vez. Sí, pero no andan tan apurados. Entonces, 8. Sí. ¿La guillet? ¿O quieres la sopa o el huevo cocido? ¿O la ensalada de tomate? ¿Qué es esto? A ver. A ver, date primero. Es la guillet, la carnita fría que te decía. Ah, esa. Sí, guillet toi. D'accord, une fois. Soup. La soup. Guillet soup. Oeuf mayonnaise. Oeuf mayo. Tú. Rápido. Soup de légumes. Donc deux soupes, une rillette, un œuf mayo. Sí. Ensuite. Ok. Pollo, ¿quieres? Sí. Un poulet también. Poulet, pollo. Steak. Dos steaks. Deux steaks. Un poulet et toi? Andouillette. Andale. You know the andouillette? Non, il connaît pas. Je connais pas. Moi, j'aime pas personnellement, mais. Voilà, moi, j'aime pas personnellement, mais ceux qui. Faut pas qu'ils soient surpris. Hein. Il faut tester. Les Français, ils aiment bien. Ouais, d'accord. Voilà. Très facile. Oh là là. J'allais justement, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on fait? La cuisson de la carne. Término medio. Bien cuit. Bien cuit, alors c'est. Bien cuit. Bien cuit. À poids. Ouais, à poids. À poids bien cuit. Donc je répète, il y a deux soupes, un œuf mayo, une salade de. Non, une rillette. Rillette, une soupe, un œuf mayo, ouais, je crois que c'est un non, de... c'est deux soupes, soupe. Ah, pardon. Deux soupes. Soupe. Ouais. C'est ça, hein. Ah, vous me faites d'après. Excusez-moi. Donc après, deux bavettes, un bien cuit, un point. Ouais. Pollo pour madame, yeah. En douillette pour monsieur. Oh là là. On verra ce qui se passe. Last change, hein. C'est un challenge, ouais. N'est-ce pas? Vous voulez boire quoi? Alors, une carafe d'eau et puis... Vous voulez voir quoi? Cerveza. Mayonnaise. Œuf dur à la mayonnaise. Oh là là. Beaucoup de mayonnaise, non? C'est ça? Et mayonnaise maison. Hein. Mais c'est bon. C'est bien. Ok. Ça, la soupe quoi? Soupe à la tomate. Soupe à la tomate. Et de ce côté? Rillette d'oie. Alors, okay. Des plats français. Des entrées françaises. Rillette. Ça s'appelle quoi? L'andouillette? Andouillette. Et est-ce comme un chorizo, así, pues? No, una tripa. Ok, tripa. Ok, andouillette es tripa. ¿Y qué es que tú vas a manger? Steak. Steak, ¿sí? Un bavette. Es un corte de res. Ok, y el Felipe igual. También. ¿Y Andrea, cómo se appelle ça? Poulet fermier. Poulet fermier, ¿c'est quoi du poulet? Como. Pollo de granja. Hervido, como. Pero no, al horno. Al horno, ok, ya. Yeah. Bon appétit. Esto que se llama andouillette, que son como tripas. Así como se ve, sabe. No lo he probado. Y quiero culpar a la Cindy Garro que me recomendó probar eso. No me hizo caso. Y ella bien a gusto, mira, carnita de res y acá pollito. Y yo valiendo madre con una tripa chorizo que huele a digerido. Cállate. Y ahí está el Felipe. Preciando en París. Recomendación de Cindy Garro. Elle nous a dit, si tu viens dans un resto à Paris, il faut que tu commandes un carafe d'eau. Parce que sinon, on va t'apporter une bouteille qui va te coûter très cher. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà. Alors, voici la bouteille d'eau. La carafe d'eau. Elle est belle. Et notre dessert. Mousse au chocolat et un express room. C64, c'est une bière française que Cindy vient de me recommander. Et ça s'appelle quoi? Grimbergen. Grimbergen, c'est... Belge. Elle est belge. Belge, ok. On va voir laquelle goûte mieux. Celle-là, elle est meilleure. Si elle dit qu'elle est la meilleure, je le crois. Tutoriel de comment comprendre McDonald's en Paris. Qui est le bonus? Chicken nuggets. Salsa, sauce barbecue. Archite, céleri, poussette.
Sandwich, dessert, Nutri-Score, petit fin, menu, dessert, Happy Meal, ouais, frite, une grande. Lo de Paris. Están estas fuentes en París. Acá. Y pues te las encuentras y puedes llenar tu botellita de agua y ya no gastas. Lo de París. Si no es potable, pues vas a encontrar un letrero que diga que no es potable. Pero así son. ¿Potable? O dice O de Paris. Chocolate show. Pues, compramos cuignets, que son panecitos típicos de Bretaña, dice Cindy Caron. Y pues hay de diferentes sabores, por ejemplo. Pesto. Pesto, ¿qué lo otro? Olive, ajá. Ajá. ¿Qué lo otro? Queso roquefort. Roquefort. Con nueces. Ok. Sucre, salé, ça peut varier. Oignon. No sé qué más. Y aquí tenemos dulces. Voilà, de la maison Josh Larnicol. Montmartre. C'est un beau quartier de Paris. Est-ce que métropolitain? Montmartre.